Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous expatrier en principauté d'Andorre et comme je le dis toujours, pour concrétiser un désir de départ, il faut avoir la certitude d'une arrivée réussie. Pour ce faire, après des heures de recherche passées sur Internet, beaucoup d'entre vous font appel à des cabinets administratifs que l'on nomme des gestoria. Et bien justement, le thème de cette vidéo est de vous conseiller sur comment bien choisir sa gestoria pour être bien accompagné dans l'installation de votre expatriation et ce que vous devez absolument savoir pour éviter les problèmes dans votre nouveau pays d'accueil comme dans votre pays d'origine. Contactez minimum 3 cabinets pour expliquer votre projet. Posez-leur vos questions et surtout prenez bien note de leurs réponses. Les discours et les renseignements doivent être similaires, surtout sur les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Attention au prix, demandez les tarifs de la prestation et ce qu'elle y comprend exactement. Chaque gestoria propose des services qui lui sont propres. Vous pourrez passer du simple au double, voire même des prix complètement irrationnels. Que l'on soit chef d'entreprise ou de famille, ou même un particulier, peu importe, avant de se lancer, faites-le de la manière la plus sécure possible. Veillez à bien demander à votre prestataire le pourcentage de garantie sur le succès de votre installation. Consultez toujours un fiscaliste de votre pays de départ qui lui validera ou pas ce projet d'expatriation et qui va aussi vous conseiller et vous aider sur les démarches et les impératifs administratifs à faire dans votre pays. Étant donné que vous allez échanger beaucoup de temps et d'informations avec la personne, il est pour moi hyper important que dès le premier contact, vous puissiez avoir un bon feeling sur son sérieux, sa crédibilité, sa transparence et surtout sa discrétion. Si vous avez des doutes, n'oubliez pas que vous pouvez vous rapprocher aux moyens institutionnels restant une valeur sûre comme les ambassades, Union des Français à l'étranger ou encore la Chambre de commerce. Ce que vous devez retenir, obtenir un titre de séjour actif ou passif ne vous assure pas systématiquement une résidence fiscale. Si vous souhaitez une résidence fiscale, n'oubliez jamais, peu importe le type de résidence que vous obtiendrez, si vous êtes marié, expatriez-vous avec votre famille, femme et enfants mineurs. Il est important d'être plus de 183 jours dans la principauté et moins de 183 jours dans votre pays de départ. De préférence, ne plus avoir de résidence principale dans votre pays d'origine, tout comme vos centres d'intérêt économique. Il est préférable de créer sa société avec l'expatriation pour lui donner de la substance fiscale. Selon la loi d'immigration, vous ne pouvez pas louer votre domicile andorran si celui-ci est votre résidence principale, même si vous êtes résident passif et que ce titre de séjour exige une présence de seulement 90 jours minimum à l'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt.